Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ainsi que votre date de naissance? Alors, c'est Mireille. Ma date de naissance, c'est 8-1954. Merci. Et dans quelle région vous résidez? L'Ouest, Pays de la Loire. Il vous faut un département? Non, merci. D'accord. Et donc, quelle est votre question? Alors, ce sera sur le travail. Donc, à savoir comment évolue votre vie professionnelle? Oui. Mireille, alors un instant, je regarde. D'accord. Comment évolue votre vie professionnelle, Mireille? Oui. Mais là, vous êtes quand même en attente et je dirais même dans la rapidité quand même d'une évolution sur votre poste. Alors, c'est pas une évolution, c'est plutôt... Oui, je suis en attente, mais plutôt d'un licenciement. Hein? Hein, voilà. Ben, vous voyez, hein, parce que vous allez être replacée, j'allais dire, quand même dans la rapidité. D'accord. Ah oui, vous voyez, il y a des choses des fois un peu bizarres, oui. Voilà, parce que, et encore, hein, comme je vous disais, le licenciement, ne ressort pas de manière trop négative pour vous, en fait. Hein. Oui, ben, de toute façon, je prends bien, alors. Voilà, parce qu'en même temps, là où vous étiez, d'accord, y a du travail, mais vous n'étiez pas complètement épanouie hein, sur le plan professionnel. Ben, j'ai trop de trajets. Hein, voilà. Déjà. Voilà, donc ça me fatigue aussi. Donc, oui, c'est vrai qu'on se donne pas pleinement parce que j'ai tout le temps cette hantise voilà, du trajet. Voilà, parce qu'on voit qu'au contraire, le changement vous apporte la paix, l'épanouissement quand même. Hein. D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose plus près de chez moi, par contre? Alors, on va regarder par rapport au... Mais ça avait l'air moins contraignant quand même. Alors, on va regarder quelles vont être vos pensées, en fait, hein, sur le nouvel emploi. D'accord. Oui, parce que là, apparemment, quand même, dans le travail où vous êtes actuellement, il y a des personnes pas très, très agréables aussi. Oh, dans l'ensemble, moi, je fais avec tout. Donc, non, il n'y a rien qui me... Non, ça va aller. Parce que, apparemment... Bon, apparemment, c'est ce qui est ressorti hein, en rapport à l'arrêt professionnel, en fait. Hein. Oui. Vous voyez ? Et oui, un peu plus proche, de chez vous, quand même. Hein. Oui, il y a moins d'accord. de contraintes sur le plan de... Bah, sur le mouvement, quand même. Il y a moins de contraintes. Mais également par rapport, à, bah, j'allais dire, à l'atmosphère, aux personnes qui sont autour de vous. Ah oui, d'accord. Et au travail en lui-même. Hein. Et comme je vous dis, on ne vous sent pas, par exemple, sans activité. Ah oui, d'accord, vous sentez très enfin, active aussitôt, quoi, ou pas loin. Ah, mais carrément, hein. Bon, alors moi qui me disais, bon, mais je vais prendre un peu de temps, d'accord, ok. Non, vous n'aurez pas de temps, vous allez apparemment trouver très, très rapidement. En d'accord. fait, c'est en rapport à des contacts que vous avez, on va vous orienter. Des contacts que j'ai déjà, d'accord. Ah bon, oui. Et le contrat est nettement plus intéressant pour vous. Hein. Vous allez vous trouver beaucoup mieux. D'accord, ok. Autant... Même à peu près au point de vue salaire, à peu près ce que j'ai ou... Alors je vais regarder hein, dans les pensées. En tout cas, en ce qui concerne le travail, l'établissement, tout ça va vous correspondre en fait, hein. Même le lieu. Hein. C'est moins loin, moins contraignant. Alors au niveau d'accord. salaire, qu'est-ce que vous allez penser du salaire que vous allez avoir? Ça sera mieux. Enfin, je table pas là-dessus non plus, hein. Vous savez. Mais oh, c'est important quand même. Hein. Oui. Mais déjà en rapport, oui, il y a moins de contraintes, moins de fatigue, quand même. Uh-huh. Alors en ce qui concerne le salaire, je dirais qu'il y aura pas beaucoup de différence entre ce que vous avez maintenant. Ah d'accord. Oui. Oui, ça va se ressembler. D'accord. Voilà, il y a peut-être une petite évolution, mais pas trop marquée. C'est plus sur le trajet et l'ambiance, hein. D'accord, ok, et puis d'accord. Ai-je bien répondu à votre question? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est peut-être terminé, mais sinon, je voulais savoir si c'était dans une petite structure ou un groupe ou... À savoir la structure, hein. Oui. Oui, je dirais que c'est plus une petite structure qu'un gros groupe, hein, quand même. Hein. Ah d'accord, oui, donc ça m'ira mieux, ça c'est clair. Oui. C'est plus sympathique. Donc, si vous voulez plus d'informations, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur le site Astro Center. D'accord. Et vous êtes Fabienne? Je suis Fabienne, l'identifiant 023. 023, oui, d'accord. Ok, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie de tout ça. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée à vous. À vous aussi, merci. Merci. Au revoir.